La France Aucun encore. outil de pression. Est-ce que la France a encore un mot à dire en Centrafrique? Non, mais écoutez, la France a voulu. Voilà quelqu'un qui a battu la France. Le président Touadéra a battu. Il faut. Parlons comme au quartier. Il a battu la France. Il a battu la France. Alors, donc, quand tu as battu quelqu'un, on dit ça chez nous en Afrique, la sagesse, quand tu tapes quelqu'un, relève-le. Tu le relèves simplement et tu lui dis, bon, va t'asseoir. Il sait désormais que tu es plus fort que lui et que c'est terminé. Non. Alors, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est Macron qui a intérêt à prendre une photo avec Touadéra aujourd'hui. C'est lui qui a intérêt à se filmer avec Touadéra. Il faut vous rappeler que M. Touadéra était un pestiféré. C'était un pestiféré. C'est la France qui encadrait tous les rebelles en est. Ah non. Le vrai débat, c'est de savoir ce que vont devenir les rebelles qui contestent Paris. Le vrai débat, c'est de savoir ce que les Ziguelés, les Mekassois, les Voilà, parce que Doléguélés quand on parlait de rebelles, les gens voyaient vont très vite ceux qui devenir. sont dans la forêt. Il y a des Oui. rebelles en costume, Oui, bien bien assis dans sûr. les bureaux climatisés. C'est eux qui passaient le temps à qui ont passé le temps. Vous parlez d'un Alimenter pays. en tout cas La France, l'instabilité. c'est la France qui mettait le feu sur l'anti-référendum. C'est la France qui dénigrait le référendum. C'est la France qui avait les Yousa qui instrumentalisaient la mercenaire qu'on appelait Darlan. Ils ont tout fait pour empêcher ce monsieur a vaincu. Et vous êtes en train de demander à l'un des acteurs, avec Bertrand, on était là-bas pour accompagner cette victoire. On l'a portée. Est-ce que toi, tu as toujours dit depuis très longtemps que moi, je n'ai pas de problème avec les Français. Je n'ai pas de problème avec la France. Le président Touadéra a dit d'ailleurs, c'est honteux. Moi, quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai dit aux Français, réglons la question de l'insécurité. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait parce qu'ils avaient leur agenda. Ils ont faussé la Constitution en faisant qu'il y a quatre présidents. Un président doit co-signer les décisions avec les premiers ministres, avec des ministres rayons. Mais bien sûr. Mais alors, Pourquoi tu le fais penser au feignant de Valéry Giscard ben d'Estaing, bien sûr que oui. hein, un vaudien qui allait enceinter la femme de Bokassa Bizarre. comme cadeau, c'est la vérité, Non, non, c'est la tout à vérité, fait, hein. comme cadeau pour la gentillesse de Bokassa. Oui. Il lui a pris tous ses biens et il est devenu comte, ce qu'il n'a jamais été d'ailleurs dans sa vie. Oui. Il dit que je viens d'une grande famille, je suis riche, tout ça, comme ça. C'est une histoire vraie. Il a même tué son ministre parce que les deux se discutaient la femme de Bokassa. C'est la vérité historique. Oui, Il a fait tuer au Cameroun, là. oui, Oh, il est beau au Cameroun, là. J'ai oublié son nom, avec la oui, complicité, dans à un l'époque, accident de d'avion, l'accident, avec la plutôt, complicité de l'ancien président du Cameroun. Mon président Banakani, merci d'avoir encore été une fois de plus avec nous à ce couloir gauche. Voilà. L'ancien ministre s'appelait Joubert. Ah, Joubert. oui, Joubert. Joubert. Celui qui a. Oui. Giscard a fait assassiner au Cameroun. D'accord, Il discutait la femme de Giscard de Bokassa avec lui.